إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله وبعون الله عز وجل كتاب أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للشيخ العلامة شيخ الإسلام Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc on a vu le dernier cours, la divergence des savants pour ce qui était de Talbiya. Quand est-ce qu'on arrête de dire Talbiya? À quel moment exactement? Également, le Shir, il nous a parlé de plusieurs points pour ce qui était du choix des pierres que l'on doit jeter fi Jamarat al-Aqaba. Et donc on continue, et le Shir nous dit ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصروا جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فلو أن يقصر ما شاء إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فليلبس الثياب ويقلم أثفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a expliqué le dernier cours qu'une fois avoir passé la nuit à Muzdalifa et qu'après avoir prié la prière de l'aube, salat al-subh, les pèlerins se dirigent en direction de Mina pour donc jeter les pierres fi Jamarat al-Aqaba. Et c'est donc un des actes que le pèlerin il va faire durant ce jour-là, qui correspond bien entendu au jour du sacrifice, donc al-Eid, qui est le jour de la fête. Et donc le pèlerin il fait ce premier acte, c'est se diriger vers Jamarat al-Aqaba pour jeter ces 7 pierres. Le Shir, le dernier coup, nous avait expliqué également l'irtilef, la divergence qu'il y avait en ce qui concerne Talbiya, à quel moment on doit s'arrêter de la dire. Il nous a également expliqué la taille des pierres et leurs caractéristiques. Et donc ensuite, et une fois que le pèlerin il a jeté les 7 pierres, comme le Shir nous l'a expliqué la dernière fois, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va égorger Al-Hadi. Donc on voit que ce jour-là, suivant la sunna, la première chose à faire, c'est Ar-Rami. Celui qui veut suivre donc la sunna, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son pèlerinage dans l'ordre, alors il commence par Ar-Rami, donc par jeter les pierres. Ensuite, le deuxième, Al-Dhabh, il égorge. Et ensuite, la troisième chose, Al-Halq, c'est-à-dire donc qu'il se rase ou se coupe les cheveux. C'est donc le troisième acte que le prophète Sosem il a fait après avoir jeté, après avoir sacrifié, il s'est rasé la tête. Thumma yahliqu ra'sahu aw yaqsiru. Wal-Halq afdalu min at-taqsir. Donc il se rase la tête. Ou alors, il se coupe les cheveux. Donc, une des deux choses qu'il doit faire, obligatoirement. Il a le choix. Mais le Shir nous rappelle que Al-Halq afdalu min at-taqsir. C'est-à-dire, donc, se raser, c'est meilleur que de se couper les cheveux. Donc, le rasage est meilleur que de se couper les cheveux. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens,
dans le hadith qui est rapporté par Muslim dans son authentique, min hadith Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a invoqué pour ceux qui étaient avec eux parmi les sahaba, il a invoqué pour ceux qui se sont rasés trois fois, et il a invoqué pour ceux qui se sont taillés les cheveux, coupés les cheveux une seule fois. Il a dit Allahumma aghfir lil muhalliqin, Allahumma, ô mon Seigneur, pardonne pour ceux qui ont rasé leur tête. Qalu, et ensuite donc les sahaba lui ont dit Ya Rasulullah, wa lil muqassirin, et pour ceux donc qui se sont coupés les cheveux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a redit ensuite cette doua Allahumma aghfir lil muhalliqin. Il l'a dit donc trois fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin donc il a fait la doua pour ceux qui avaient, au bout de la troisième fois, donc la quatrième fois, il a fait la doua pour ceux qui avaient coupé les cheveux. C'est une preuve donc que al-halq c'est meilleur que al-taqsir. Et on a vu donc au début que pour celui donc qui avait fait sa umrah, il avait été préférable pour lui à ce moment-là de se couper les cheveux, de manière à ce qu'il lui reste des cheveux pour ce jour-là, afin que il se rase les cheveux. Donc à ce moment-là, le meilleur, bien entendu, c'est de se raser les cheveux. Et pour celui qui s'était déjà rasé les cheveux, automatiquement, il y aura, même si c'est très légèrement quelques cheveux qui, ou alors très légèrement des cheveux qui ont poussé, alors il les rase à nouveau. وَإِذَا قَصَرَهُ جَمَعَ الشَّعْرِ وَقَصَّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ أَوْ أَقَلْ أَوْ أَكْثَرْ. C'est-à-dire donc que si par exemple il les coupe, alors il prend ses cheveux et ensuite il les coupe. Biqadl al-anmula, c'est-à-dire donc d'une longueur qui est le bout du doigt, d'une longueur qui représente le bout du doigt, que ce soit moins que cela ou que ce soit plus. Le principal, c'est qu'il coupe tous ses cheveux. Et quand il nous dit bien entendu yajma' sha'rahu, c'est-à-dire donc qu'il regroupe ses cheveux, bien entendu, c'est dans le cas, on va dire le plus souvent, de la femme, qui a, elle, de longs cheveux. Mais également, ça peut être le cas de l'homme. Si lui, il ne coupe pas ses cheveux, ou Arfouan, si lui, il ne rase pas ses cheveux, alors il fait à ce moment-là comme la femme. C'est-à-dire donc qu'il regroupe ses cheveux et coupe ce qui va dépasser. Bien entendu, s'il a les cheveux longs, automatiquement, il aura coupé tous ses cheveux à la fois. Car on sait que ce soit taqsir ou que ce soit al-halq, il faut que ce soit toute la tête en entier, c'est-à-dire tous les cheveux. Et on n'a pas le droit de couper une seule partie des cheveux et en laisser une autre partie. Ça, c'est pas permis. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Il faut donc que tous les cheveux soient coupés. Et donc, la personne qui a les cheveux longs, donc pour l'homme, et bien entendu pour la femme, automatiquement, lorsqu'elle prend tous ses cheveux, elle les tire vers l'arrière et qu'ensuite elle coupe de derrière, elle aura coupé de manière uniforme tous les cheveux. Bien entendu, pour ce qui est, lorsqu'on dit al-halq afdal, c'est bien entendu pour les hommes. C'est bien entendu pour les hommes. Car il est interdit à la femme de se raser la tête. C'est pour ça que ce qui est autorisé pour la femme, c'est uniquement de se couper les cheveux et non de se raser. Et comme cela est attesté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce hadith rapporté par Abu Daoud fi sunanihi wa hadithun sahih min tariq Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa 'ala an-nisa' al-halq innama 'ala an-nisa' at-taqsir. C'est-à-dire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit les femmes n'ont pas à se raser la tête, mais elles se coupent les cheveux. C'est-à-dire, ce qui leur incombe, c'est se couper les cheveux, at-taqsir. C'est pour ça qu'il dit le shir, وَالْمَرْأَةُ لَا تَقُصُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. C'est-à-dire donc que la femme, elle ne coupe pas plus que cela. Et lorsqu'on dit le bout du doigt, c'est en réalité le haut du doigt jusqu'à la première articulation. Le haut du doigt jusqu'à la première articulation. Donc, la femme, elle ne coupe pas plus que cela. وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَهُ أَنْ يُقَصِّرَ أَوْ أَنْ يَقْصِرَ مَا شَاءَ. Par contre, pour ce qui est de l'homme, lui, il coupe comme il veut. Plus que cela, moins que cela,
Pour lui, il n'y a pas de problème. إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَحَلَّلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلِ. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait cela, donc une fois qu'il a jeté les pierres, une fois qu'il a égorgé, une fois qu'il s'est rasé ou coupé ses cheveux, alors, بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ, tous les musulmans sont unanimes ici pour dire donc qu'il vient de se désacraliser, de sa sacralisation qui est considérée comme la première. C'est pour ça qu'on appelle cela at-tahallul al-awwal. C'est-à-dire donc que tout ce qui lui était interdit auparavant en état de sacralisation vont lui devenir permises, ces choses-là. Et lorsqu'on dit toutes, à une seule exception, et cette exception, c'est en réalité les femmes. C'est-à-dire donc qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec ses épouses. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on dit tahallul al-awwal. Et bien entendu, tahallul al-thani ou al-akhir, c'est lorsque la personne, il ne lui reste plus rien comme interdit. Lorsqu'il était, bien entendu, lorsqu'il passe de l'état de sacralisation à l'état de désacralisation. C'est pour ça donc que les savants disent bien at-tahallul al-awwal. Lorsqu'on entend at-tahallul al-awwal, donc la désacralisation première, la première désacralisation, on comprend qu'à ce moment-là, tout est permis à l'homme. Il peut se couvrir les cheveux, il peut se couper les ongles, et il peut également utiliser le parfum, et il peut également se marier. L'interdiction n'est pas au niveau du mariage, mais elle est au niveau du rapport, pour ce qui est après at-tahallul al-awwal. Et également, il lui est permis de chasser. Bien entendu, lorsqu'on dit de chasser, c'est en dehors des limites de la terre sacrée. Kharij hudud al-haram, bien entendu, comme on a expliqué auparavant. Par contre, s'il est à l'intérieur du haram, il lui est interdit de chasser, qu'il soit en état de sacralisation ou en état de non-sacralisation. Et s'il est en dehors des limites de la terre sacrée, al-haram, alors s'il est en état de sacralisation, il ne peut chasser, mais s'il est en état de désacralisation, et ici tahallul al-awwal, il peut donc chasser. Et il nous dit le shir, wa la yabqa alayhi min al-mahdhurat illa an-nisa. Et donc il ne lui reste plus que comme interdiction les femmes. An-nisa, bien entendu, al-maqsoud ici le rapport et tout ce qui s'y rapporte. Ici, pour ce qui est de at-tahallul al-awwal, et pour bien comprendre cette question de jurisprudence, on a dit comme le prophète Sosem il a fait, c'est-à-dire que le shir Rahimullah ici il est en train de nous citer comment le prophète Sosem il a fait son pèlerinage et donc en train de nous expliquer pas à pas les sunan du prophète Sosem, c'est-à-dire la voie du prophète Sosem durant le pèlerinage. Et c'est donc dans ce sens qu'il va nous dire, une fois que le pèlerin, s'il fait exactement dans le même ordre ce que le prophète Sosem a fait, qu'il a jeté, al-rami, qu'il a sacrifié, al-dhabh, qu'il a rasé ou coupé ses cheveux, al-halq, alors à ce moment-là, le prophète Sosem, après avoir fait ces trois choses, tahallala, il s'est désacralisé de la première désacralisation, de tahallul al-awwal. Ici, on va rapporter un hadith du prophète Sosem, un hadith Aïcha, qui est rapporté par Abu Daoud, qui est un hadith authentique. Où le prophète sallam, il a dit « Iza rama ahadukum jamarat al-aqaba, faqad hallalahu kulla shay'in illa nisa. » Il a dit donc, lorsque vous avez jeté les pierres, donc, fi jamarat al-aqaba, alors, tout devient pour vous permis, sauf les femmes. Bien entendu, ici, le maqsoud wa tahallul al-awwal, comme on l'a expliqué. Et Ibn Qudama, rahimahullah, comme a fait le Mourni, il va nous rappeler donc, pour ce qui est de la jurisprudence de ce point, wa jumlatu dhalika, anna al-muhlim idha rama jamarat al-aqaba, thumma halaqa, halalaw kullama kana mahzuran, halalaw kullama kana mahzuran bil-ihram, illa an-nisa. هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله. C'est-à-dire donc qu'on va comprendre que التحلل الأول
il va advenir lorsque la personne, elle fait deux choses de ces trois. Qu'elle fait deux choses de ces trois. Qui sont al-ramy, wal-halq, wal-tawaf. C'est-à-dire donc que si le musulman, il ne fait pas dans l'ordre exact comme le prophète Sam il a fait, et on sait que, et on le verra plus tard, qu'il est permis de retarder une chose par rapport à la sunna, ou alors de devancer une chose par rapport à la sunna, et qu'il n'y a pas de mal à cela. Car à chaque fois qu'on a demandé au prophète sallam, il a répondu la haraj, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'on fasse d'abord à tawaf, ou alors qu'on fasse d'abord à dhabh, etc. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas comme le prophète sallam, il a fait au niveau chronologique, pour ce qui est des actes de ce jour-là, durant le pèlerinage. Donc, ce qu'on va comprendre, et ce que nous ont expliqué les savants de la jurisprudence et du hadith, c'est que la personne, si elle fait deux choses de ces trois choses, alors elle devient dans un état de désacralisation, et qui est la première désacralisation, tahallul al-awwal. Donc, soit ramy, ou alors ces trois choses qui sont ramy, al-halq, ou al-tawaf. Donc, jeter les pierres, ou alors raser la tête, ou alors faire le tawaf. C'est-à-dire, si la personne, elle fait deux de ces trois choses, alors, tahallala, tahallul al-awwal. Si elle fait deux de ces trois choses qu'on a citées. Al-rami, wal-halq, wal-tawaf. Donc, à titre d'exemple, si la personne, elle a fait al-rami, wal-tawaf, tahallala. Si elle a fait al-rami wal-halq, tahallala, etc. Taïb. Et bien entendu, ici, il ne rentre pas al-dhabh. C'est-à-dire, il ne rentre pas la question d'égorger. C'est-à-dire que égorger, on peut égorger bien plus tard. Jusqu'à même le dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Comme on va le voir, inshallah ta'ala. Donc, cela, pour le pèlerin, c'est permis. Et c'est ici la facilité de la religion. Dans les actes d'adoration. Ensuite, il dit le shir, wa ba'da dhalika yadkhulu makkata fa yatufu tawaf al-ifada in amkanahu dhalika yawm an-nahr wa illa fa'alahu ba'da dhalik lakin yanbaghi an yakuna fi ayyam at-tashriq fa inna ta'khirahu 'an dhalika fi niza' thumma yas'a ba'da dhalika sa'y al-hajj. Tayyib. Donc, une fois qu'il a fait cela, et toujours donc en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il a fait sallallahu alayhi wa sallam, après donc qu'il a jeté, après qu'il a sacrifié, après qu'il s'est rasé, il se dirige donc vers Mekka, il rentre dans Mekka pour faire donc ce qu'on appelle tawaf al-ifada. Et comme on sait, et comme on l'a vu précédemment, tawaf al-ifada, c'est un rukn min arkan al-hajj. C'est donc un rukn parmi les piliers du Hajj, c'est un pilier parmi les piliers du Hajj. Donc, il est strictement obligatoire de le faire. Si la personne ne le fait pas, son Hajj n'est pas valable, n'est pas accepté. Il nous dit, s'il est possible qu'il le fasse le jour même, le jour du sacrifice, alors c'est le mieux. Car c'est ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne peut pas, alors il le fait plus tard. Le shir ici, il va faire allusion à une divergence entre les savants lorsqu'il dit que ce tawaf, s'il a la possibilité de le reculer et de ne pas le faire le même jour, c'est-à-dire le jour de l'égorgement, le jour du sacrifice, il lui permet donc de le retarder, mais de le retarder au maximum durant Ayyam al-Tashriq, durant les jours donc du Tashriq. Pourquoi ? Parce que s'il le fait plus tard, alors il y a ici une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. Et c'est une divergence, bien entendu, si on se rappelle une question qu'on a vue durant les premiers cours. Qui c'est qui nous rappelle pourquoi ici il y a une divergence entre les savants ? Par rapport au premier ou deuxième cours qu'on a fait. Et sur une question qu'on a détaillée avant même de rentrer dans l'explication du livre, et dont je vous ai dit, c'est un point qui est important à savoir, car ça reviendra durant le livre. Qui
Qui c'est qui nous rappelle, parmi ceux qui ont suivi les premiers cours, qui nous rappelle à quoi elle revient cette question de divergence entre les savants? C'est-à-dire, pourquoi les savants ont divergé pour ce qui est de tawaf al-ifada? Est-ce qu'il est permis qu'ils le fassent après ayam al-tashriq ou avant ayam al-tashriq? Ici, le shir, lorsqu'il nous parle qu'il y a une divergence entre les savants pour ce qui est de l'exécution de ce pilier, de l'accomplissement de ce pilier qui est tawaf al-ifada, de le faire plus tard et après ayam al-tashriq, le shir, lorsqu'il fait allusion à cette divergence entre les savants, en réalité, il fait allusion à un point de jurisprudence qu'on a déjà vu durant les premiers cours, et qui est la définition des mois du Hajj, Ashhurul Hajj. Quels sont Ashhurul Hajj? Est-ce que ce sont les trois mois complets, ou alors est-ce que c'est deux mois et les dix premiers jours, ou est-ce que c'est les deux premiers mois et ensuite Dhul Hijjah jusqu'à la nuit de Al-Id, etc. Les divergences qu'on a vues entre les madhahib. Cette divergence ici, elle revient à ce point. Et donc, bien entendu, ceux qui ont dit que les trois mois, kama huwa madhhab al-imam Malik, ceux qui ont dit que les trois mois représentent Ashhurul Hajj, les trois mois complets, donc en incluant Dhul Hijjah jusqu'au dernier jour de Dhul Hijjah, eux ils ne voient qu'il n'y a aucun problème pour faire Tawaf al-Ifada durant ce temps là car on est toujours dans les mois du pèlerinage. Et ceux qui n'ont pas vu cela, ou qayyadu, qu'ils ont restreint Dhul Hijjah jusqu'aux dix premiers jours ou avant, alors eux ils vont ici diverger. À la kulli hal, on avait vu que la parole la plus forte, c'était celle qui définissait les trois mois comme étant les trois mois de manière complète, en comprenant Dhul Hijjah complètement, jusqu'au dernier jour de Dhul Hijjah. Et donc, il n'y a pas de problème pour ce qui est de faire cela plus tard que Ayam al-Tashriq, pour ce qui est de Tawaf al-Ifada. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج وليس على المفرد إلا سعي واحد وكذلك القارن عند جمهور العلماء. Ensuite le shir nous dit, après qu'il a fait son tawaf al-ifada, il doit faire après son tawaf al-sa'i, qu'on appelle également tawaf comme on l'a vu précédemment, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallam, et comme l'ont repris les jurisconsultes dans leur livre, ce terme, tawaf, pour désigner le tawaf ou pour désigner le sa'i entre Safa ou al-Marwa. Il nous dit le shir, donc la personne qui fait son pèlerinage et qui a fait tawaf al-ifada, ensuite elle fait sa'i bien Safa ou al-Marwa. Il nous rappelle ici, pour ce qui est de al-Mufrid, que lui il a uniquement un seul sa'i. De même pour ce qui est de al-Qarin, il a un seul sa'i. C'est-à-dire que si ces deux personnes rentrant dans ces deux catégories, ou si ces gens rentrant dans ces deux catégories ont fait un sa'i avant, alors ils n'ont pas à refaire d'autres sa'i, car un seul leur suffit. Donc ils se contentent de faire le tawaf, tawaf al-ifada, donc de tourner autour de la Kaaba sans faire un sa'i une deuxième fois, car eux ils n'ont uniquement un seul sa'i à faire. Et ici ensuite, la parole de Shir, Shir al-Islam, c'est son avis, à la kulli hal, et on va le voir de plus près cet avis-là, car il pourrait étonner plus d'un, pour ceux qui ont déjà étudié la jurisprudence du pèlerinage. Il nous dit « وَكَذَلِكَ الْمُتَمَتِّعَ فِي أَصَحِ أَقْوَالِهِمْ » C'est-à-dire donc, de même pour ce qui est de « الْمُتَمَتِّعَ »
De même, lui, il lui suffit un seul sari. De même, lui aussi, il lui suffit un seul sari. وَهُوَ أَصَّحُ الرِّوَايَةً عَنْدَ أَحْمَدٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا السَّعْيِ وَاحِدٍ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً قبل التعريف فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والمقارن وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبيه المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف الطوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة وقيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في الصحيح مسلم عن جابر قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيد قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم donc ici on va voir qu'il y a une divergence entre les savants comme nous le rappelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah malgré que la plupart des savants la grande majorité des savants ils voient ceci que pour ce qui est de Al-Mufrid ou Al-Qarin, pour eux, il leur suffit un seul Sa'i. Et pour ce qui est de Al-Mutamattir, il doit faire deux Sa'i. Donc le Sa'i qu'il a fait durant sa Umrah et ensuite le Sa'i qu'il fait après Tawaf Al-Ifada. Et d'autres savants, comme va le rappeler Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est son avis à lui qu'il va défendre ici, il voit que même Al-Mutamattir, il a un seul sari à faire. Uniquement un seul sari à faire. C'est-à-dire que s'il a fait son sari durant sa umra, cela lui suffira. Il va nous rapporter que c'est une des versions de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, sachant que on sait que l'imam Ahmed, bien souvent, il a sur une question de jurisprudence deux avis. C'est-à-dire deux avis qui sont rapportés de ceux qui ont étudié chez lui, de ses élèves. Et donc les savants spécialisés dans le madhab de l'imam Ahmed, Al-Hanabila, ils ont étudié ses avis. Ils ont toujours donc fait part de ces deux avis sur une seule question de jurisprudence. Bien entendu, pourquoi deux avis? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes ici, qu'on ne va pas rentrer dans les détails de cela. Il se peut que une des paroles soit plus récente que l'autre, ou etc. À la kulihal. Il va nous rappeler ici le shir que c'est une des versions de l'imam Ahmed, un de ses avis, parmi les deux avis qui ont été rapportés de lui, que c'est le plus authentique, car il dit As-sahhu riwayatain. Et ici, bien entendu, il va nous rappeler pour ce qui est de As-sahaba. C'est-à-dire, As-sahaba, ceux qui ont fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut se rappeler une chose pour comprendre cette question.
et pour comprendre également ici la divergence. Et on reviendra à une parole de Ibn al-Qayyim et également à une parole de Sheikh al-Albani rahmatullah alayh, qui a fait une étude du hadith de Aïcha que le Sheikh lui voit, qui est en réalité la parole de Zuhri et qui n'est pas la parole de Aïcha. Donc on va revenir à cela, car c'est important de connaître et de savoir ce point. On sait que ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba, il y avait des gens qui avaient apporté avec eux leur sacrifice, Saqul Hadi. Et il y en avait parmi eux qui n'avaient pas apporté leur sacrifice, Lam Yasuqu Al Hadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a apporté avec lui son sacrifice. Donc s'il apporte avec lui son sacrifice, on sait qu'à ce moment-là, il ne peut pas donc se mettre en état de tamattu'. C'est pour ça qu'il est resté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de qarim. Par contre, les sahaba qui n'avaient pas avec eux le sacrifice, il leur a ordonné de se mettre en état de tamattu'. Et donc, qu'une fois qu'ils aient fait leur umrah, de se désacraliser pour ensuite refaire leur sacralisation le 8e jour de Dhul-Hijja. La question ici qui va se poser, c'est est-ce que les sahaba, ils ont fait un sa'i ou deux sa'i? Et est-ce qu'on peut dire que tous ont fait la même chose? C'est ça la question. Car parmi les sahaba, il y a ceux qui étaient en état qui faisaient hajj al-qiran et ceux qui faisaient le hajj tamattu'an. Et donc il y a eu deux catégories parmi les sahaba. Et est-ce qu'on peut dire donc à ce moment-là que tous ils ont fait la même chose concernant bien entendu ici as-sa'i? Car on sait yada, ici il n'y a pas de divergence comme le rappelle le shir, c'est que le qarin il lui suffit un seul sa'i. Donc ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient en état de qiran, eux ils ont fait un seul sa'i. Mais les autres, est-ce qu'ils ont fait un seul sa'i ou deux sa'i? Et lorsqu'on a des versions qui nous rapportent que les compagnons ils ont fait uniquement un seul sa'i, est-ce que ça concernait ceux qui étaient en état de qiran ou non? Donc on voit que c'est un point qui est important à comprendre ici, pour comprendre donc la suite de l'argumentation et du raisonnement. Ici le shir donc il va nous rappeler l'avis de l'imam Ahmed. Il va la détailler par rapport à ce qui était rapporté de lui, de son fils, Abdullah. Et le shir il va s'appuyer, donc sans rentrer dans la traduction de l'avis de l'imam Ahmed, donc le shir il nous l'a al-Kulihal rappelé ici. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est sur l'argumentation du shir par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il va voir qu'il y a deux hadiths. Le hadith de Jabir, qui est auprès de l'imam muslim, et le hadith de Aïcha. Le hadith de Jabir, lui, il va citer que les compagnons, ils ont fait uniquement un seul tawaf. C'est pour ça qu'il dit Lam yatouf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu bayna safa wal marwa illa tawafan wahidan, tawafu al-awwal. Donc on va comprendre ici, ma'na tawaf, ma'na sa'i. C'est-à-dire que al-maqsoud bi tawaf ici wa sa'i. Tayyib. Donc il nous rappelle que fi hadith Jabir, il nous rappelle Jabir radiallahu ta'ala anhu que les compagnons ils n'ont fait qu'un seul sa'i. Et donc la question qui va se poser, ceux qui étaient en état de qiran ou ceux qui étaient en état de tamattu'? Ça c'est la première question pour répondre donc à l'argumentation de Sheikh al-Islam. La deuxième chose, c'est ce qu'il va rapporter de Aïcha. Aïcha, elle rapporte que les compagnons, ils ont fait deux tawaf. Annahum tafu marratain. Qu'ils ont fait deux tawaf. On va comprendre ici, bien entendu, pour ce qui est de As-Sa'i. Lui, le shir, il va annuler l'argumentation qui est faite à partir de ce hadith par le fait que cette parole en été de Aïcha, c'est pas la parole de Aïcha, mais c'est une parole de Zuhri. Sans rentrer dans les détails de la science du hadith, il va tout simplement dire que c'est en réalité une parole
de l'imam Zuhri, comme si c'était donc un avis de jurisprudence. Mais ce n'est pas la parole de Aïcha qui, elle, a vu les compagnons. Taïeb. C'est pour ça qu'il va dire que ceux qui préfèrent qu'ils fassent deux tawaf bil bayt, ceux qui sont bien entendu en état de tamattu, donc le premier sa'i et le deuxième sa'i, il va voir que c'est da'if le shir. Mais le problème, lorsqu'on revient à ce hadith de Aïcha, et comme l'ont expliqué des savants du hadith, comme Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, en rappelant des paroles des anciens muhadithines et en faisant l'étude également lui-même de ce hadith, ils vont voir qu'en réalité ce hadith il est bel et bien authentique, et c'est bien la parole de Aïcha qui nous décrit ce qu'ont fait les compagnons. Il va bien entendu étudier Cheikh rahimahullah, Cheikh Al-Albani, il va étudier les chaînes de transmission, il va voir que c'est un hadith qui est authentique. Et celui qui a dit l'authenticité de ce hadith avant lui, Ibn al-Qayyim, comme fi Zad al-Ma'ad lui-même également, Ibn al-Qayyim, et il va dire cette parole pour qu'on puisse comprendre et trancher ici sur cette question de jurisprudence. Il va nous rappeler la parole d'Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, et il nous dit rahimallah, fa amma an yuqal Aisha athbatat wa Jabir nafa wal muthbit muqaddam ala an-nafi. C'est-à-dire donc, dans un premier temps, lorsqu'on sait qu'en réalité le hadith de Aïcha est authentique, et même que Cheikh Al-Albani il va réfuter la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah dans cette risala pour ce qui est de son avis sur le hadith, et lui bien entendu en argumentant et en rapportant toutes les autres versions qui sont authentiques et les chaînes de transmission. Et donc ensuite, pour appuyer cela, il rappelle la parole d'Ibn Al-Qayyim et il nous dit, soit qu'on dit que Aïcha elle a affirmé une chose et que Jabir lui il ne l'a pas affirmé, il l'a nié. Et on sait que dans les règles de jurisprudence, celui qui atteste ou la chose qui est attestée est mis en avant sur ce qui est nié. Car tout simplement, il se peut qu'une personne elle a eu science d'une chose et l'autre elle n'a pas eu science d'une chose. Donc celle qui a eu science d'une chose, du temps qu'elle est fiqa, du temps qu'elle est, c'est une personne fiable, alors on prend d'elle. Et sur la personne qui a nié, on dit tout simplement qu'elle n'a pas eu science. Et celui qui a science, bien entendu, c'est une hujja sur celui qui n'a une preuve, sur celui qui n'a pas science, qui n'a pas science d'une chose. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ou yuqal, ou alors on peut dire également, donc pour rassembler ces deux hadiths, le hadith de Aïcha et le hadith de Jabir, Mouradu Jabir, men qarina ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa saqa al-hadi, ka Abi Bakr, wa Umar, wa Talha, wa Ali. C'est-à-dire donc qu'il va nous dire ce qu'on a expliqué au tout début, que pour ce qui est de Jabir, il a rapporté que ceux qui ont fait un seul sa'i parmi les sahaba, en réalité c'était ceux qui étaient en état de qiran. Il nous dit فَإِنَّا مِنَّمَا سَعُوا سَعْيًا وَاحِدًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عُمُومَ السَّحَابَ. Et ce n'est pas donc ce qui est voulu, l'ensemble de tous les sahaba, mais uniquement ceux qui étaient en état de qiran. Et donc hadith Aïcha, c'est ceux qui seront en état de tamattu, et qu'eux ils ont fait donc de sa'i. Donc ça c'est la réponse que l'on donne, et c'est pour ça que l'on dit qu'en réalité, et ce qui est le plus fort par rapport à cette argumentation, et en se reposant sur les deux hadiths de Jabir et de Aïcha qui sont tous les deux authentiques, car le hadith de Aïcha est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique et également muslim, donc muttafaqun alayh. Bien entendu, l'irtilaf ici c'est bien par rapport à ce que c'est réellement la parole de Aïcha ou alors la parole de Zuhri. Ala kulli hal, sachant que les deux hadiths sont authentiques, alors on en déduit ce qui a été cité auparavant comme la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, et donc ce qui induit que celui qui est en état de qiran et celui qui est mufrid, alors ces deux personnes, ils n'ont juste à faire un seul sa'i. Et donc le jour de An-Nahr, le jour où ils vont faire donc tawaf al-ifada pour ceux qui le font le même jour, alors eux ils n'auront pas à faire ensuite sa'i bain as-safa wal-marwa. Ils se suffisent d'un seul tawaf autour de la maison. Par contre, ceux qui sont en état de tamattu, alors eux ils devront faire un sa'i, c'est-à-dire ils devront compléter leur tawaf
بالبيت بالسعي بين الصفا والمروة وهذا هو القول الأقوى والله تعالى أعلم. Et ensuite il nous dit le Cheikh, donc bien entendu il va également argumenter, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cela, car pour ce qui est de cet avis de jurisprudence, Inch'Allah la question elle est claire. Il argumente également par un autre hadith, yani dakhalat al-umratu fil hajj ila yawm al-qiyama. À la kulli hal, sans rentrer dans tous les détails, pour ne pas rendre le cours donc trop lourd, on va ensuite passer à ce qu'a dit le Cheikh lorsqu'il dit فَإِذَا طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ النِّسَاءُ وَغَيْرُ النِّسَاءُ. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait le tawaf, tawaf al-ifada, donc comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a jeté, après qu'il a sacrifié, après qu'il s'est rasé, et qu'ensuite il a fait tawaf al-ifada, alors maintenant, tout lui est permis, même les femmes. Tout lui est permis, même les femmes. Donc c'est التحلل الأخير والثاني. C'est-à-dire donc qu'il passe de la désacralisation première à la deuxième désacralisation. Il passe à la deuxième désacralisation. Tayyib. Lorsqu'il a fait tawaf al-ifada. Car lui, bien entendu, il aura tout fait. Il aura fait rami, al-dhab, al-halq, tawaf al-ifada. Il aura tout fait. Il aura fait donc les trois choses principales pour ce qui est donc de rami, al-halq et également at-tawaf. Donc lui, son tahalloul, il est complet, il devient complet, il lui est permis toutes choses, même les femmes. Une autre question également qu'on va aborder, que certains savants ont cité, qui revient à l'argumentation qui est faite à partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais inshallah on laisse pour le prochain cours bi idhnillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.